polo est un sport fair play, viril, physique, mais fair play. Bien, les deux arbitres, les deux équipes sont aux ordres et la balle est lancée, ça sort très rapidement maintenant. Avec Bautista Idi, accroché par Eduardo Idi. Pas récupéré par Paolo Bertola. Marco Polo, Paolo Bertola qui passe maintenant le numéro 4 de l'équipe de Wilmore. La balle est sur toujours, il cherche ses avants. Il a laissé la balle derrière. Robert Chibas. Alors encore on t'accroche l'âge de maillet avec Eduardo Idi, il n'y a pas de faute. Les deux joueurs sont croisés sans couper la ligne. Robert Archibald. Très longue balle en direction des tribunes. Bautista Idi, Robert Archibald qui freine. Robert Archibald, il attend que les avants se positionnent en attaque. Robert Archibald suivi par le capitaine. Marcos. Robert Archibald toujours, il se joue de Bertola devant lui. Il protège sa balle, non, il continue Robert Archibald encore pour Wilmour. De côté l'attaque, Marco Polo va donc attaquer sur votre gauche. Wilmour sur la droite. La balle est lancée, ça sort au first throwing pour Eduardo Egui. Qui passe la balle au-dessus de la tête de Fatirino Blanco, l'un des deux arbitres qui passait par là. Très jolie bague à gauche de Bautista Egui sur lequel se jette littéralement Robert Archibald. Robert Archibald qui veut lancer son numéro 1, la balle est un petit peu courte. Balle récupérée par Eduardo Menendez. Eduardo Menendez pour Marco Polo. Il a la priorité, Eduardo Menendez. Super. Back à gauche d'Eduardo. Qui remet la balle au centre du terrain. Pour son numéro 3, Eduardo Menendez. En revers, sous l'encolure. La balle roule et goal. Magnifique goal d'Eduardo Menendez. Egui, attendu par Eduardo Egui, chacun son tour pour Robert Archibald. Robert Archibald, Edouard Hachem est parti sur sa droite, on laisse la balle à Bautista Egui. Robert Archibald qui fait le ménage sur Eduardo, il le gêne. Edouard Hachem maintenant qui attend Bautista. Et voilà, Bautista Egui qui a mis Eduardo Menendez en faute. Eduardo Menendez. Les maillets se lèvent, pas de faute accordée, disent les arbitres, joué. Bautista Egui qui emmène course poursuite avec Eduardo Egui qui a l'avantage sur la balle. Tac à gauche d'Eduardo sur lequel va tourner très rapide. Et Robert Archibald, non. Non, c'était Bautista Egui. Bautista Egui tranquillement qui va au goal. Et goal de Paris. Voilà ce dont est capable un 10 de handicap. Acte de Marcos, c'est une guerre des capitaines. Paolo Bertola pour servir Eduardo Egui qui reprend la balle en revers. Il est poursuivi par Bautista Egui. Eduardo en revers, direction de goal. La balle reste sur place. Et c'est récupéré par Robert Archibald pour Wilmour qui va pouvoir lancer la contre-attaque. Bautista lui demande de taper la balle. Eduardo Menendez. Personne ne peut intervenir sur cette ligne. On est bloqué sur la balle, on lève les maillets. Frappe au goal. Et goal Eduardo Menendez pour Wilmour. Ah, contré. Et c'est Giovanni qui récupère en revers sans faire de faute. C'est bien joué de la part du capitaine. Il n'a pas voulu faire la faute pour perdre l'avantage. Eduardo Menendez, Bautista Egui, Eduardo Egui. Bautista qui tape de loin. La balle est aux 40 yards. 4 joueurs, je pousse, je prends la priorité. Eduardo Menendez qui dégage son camp pour ça. Très beau match au Polo. Victoire de Wilmour 12 à 10 devant l'équipe Marcio Polo. Il a gagné 7 fois la Coupe d'Or. Merci de vos applaudissements et merci à vous.
Merci.